Jour 1, l'arrivée. Salut, je suis venu explorer un sommet de colline que je connais pas encore, donc je suis en totale découverte et j'ai prévu d'y passer la nuit. Donc moi je vais remonter ce chemin et puis je sais pas trop où je vais arriver. Ce sera la surprise. Et pour vous apporter des compléments d'information, cette vidéo sera commentée en voix off. Les amis, je viens d'assister à un sprint d'un troupeau de vaches. C'est impressionnant et j'aimerais pas être devant elles. On entend le tic-tic de la clôture électrique. Je suis proche du sommet, je peux vous dire une chose, c'est un sommet qui se mérite. Ouais. Je me suis pas trompé, le spot sera idéal pour observer le soleil qui se couche. Et normalement, il va se coucher par là-bas. Il faudrait que je continue un petit peu au bord du chemin, là. Mes amis, je pense qu'on va avoir droit à un beau spectacle ce soir. Bon, je vais arrêter les recherches. Le spot idéal, bah, tout simplement, il est là, au milieu du chemin. C'est bête à dire, mais je crois que c'est le spot idéal. C'est celui qui m'offre la meilleure orientation, aussi bien pour regarder le soleil se coucher, que demain pour être réveillé par la lumière du soleil qui se lève. Donc pourquoi chercher plus loin? Pourquoi chercher midi à 14h? C'est ici et pas ailleurs. Allez, action!
Installation de ma corde faîtière. Oh là là, le vent se lève et ne va plus s'arrêter. Mes indispensables cales en bois. Leur rôle est de faciliter le montage et le démontage de mon abri. Eh ben alors ça, c'est pas de bol. J'ai entendu de la musique, de la musique qui vient du chemin juste en dessous. Ça m'étonnerait pas que ce soit encore. J'ai souvent le cas quand je bivouac en forêt. Il y a des chemins à proximité et j'ai souvent le cas de gens qui garent leur camionnette aménagée et qui bivouacent dans la camionnette à proximité. On s'en fout, c'est pas le problème. Et ils passent la soirée à faire la fiesta en mettant la musique à fond, et le lendemain quand tu passes, ben tu vois des cadavres de bouteilles ou de canettes. Ça arrive de plus en plus souvent, surtout pendant le confinement. Étrangement, les gens ont besoin de sortir, et moi je peux les comprendre. Mais par contre, ceux qui laissent leurs déchets, je les comprendrai jamais. Mes piquets d'installation pour mon abri seront confectionnés avec de simples bâtons en bois et à l'aide de mon couteau. Décidément, ce Garberg, je l'aime de plus en plus. Voilà en quoi sont utiles mes cales en bois. Elles servent à fixer mes cordages de façon provisoire, mais fiable, sécurisée. Bienvenue chez moi. Maintenant, je vais mettre une couverture de survie au sol. Bon, peut-être pas côté aluminium puisqu'il fait pas super froid là. On doit avoir 15-20 degrés. Donc côté verre. Après quoi, je mettrai mon matelas en mousse, mon sac de couchage, et il sera temps de sortir le réchaud pour commencer à cuisiner. Parce que je commence à avoir bien faim là. Bien faim. Pour l'instant, je suis assez surpris du peu de tiques. Alors bah, c'est une bonne surprise évidemment, mais ouais voilà, je suis surpris parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de tiques, alors qu'habituellement là où je vais, t'es sans arrêt en train de vérifier tes bras, parce que forcément le cerveau il a son rôle à jouer là-dedans, mais tu sens une démangeaison alors qu'en fait t'as rien. Donc t'es toujours en train de te regarder les bras, le pantalon, et puis bah quand tu sens un truc là ici et que c'est juste une fourmi, t'as un peu les foies quand même. Un petit peu d'humidité de la dernière fois. Ah, c'est étanche ces couvertures. Si tu la ranges humide, tu la retrouves humide.
c'est étanche dans les deux sens. Ouh là là. Bon, je m'y attendais quand même, mais c'est sacrément en relief. Le sol est sacrément en relief. Bon, forcément, quand tu t'installes dans un chemin de tracteur, bah, c'est ce qui arrive. Alors, mon sac de couchage pour cette nuit, c'est mon bon vieux Défense 1. J'ai même pas hésité une seconde avec le Défense 4, puisqu'avec les températures qu'on a en ce moment, tout doux l'ami. Le 1 suffit largement. Sauf que, comme j'ai toujours, je sais plus comment ça s'appelle, maladie des extrémités, j'ai froid aux orteils, et uniquement aux orteils. Les mains, ça va très bien. Alors, j'ai mis mon sursac anti-humidité à l'intérieur, puisqu'il a un revêtement aluminium. Au moins, ça me gardera les pieds au chaud. Je vais même pas l'utiliser en plein. Je vais peut-être juste le mettre au niveau des pieds, histoire de rajouter une couche isolante au niveau des pieds. Ça, c'est mon nouveau pull. Un pull en laine islandaise qu'une dame m'a tricoté. Donc, elle est artisane. On dit artisane. Désolé les filles, c'est pas pour vous froisser. Elle est artisane dans l'Auvergne. Département 63, elle a du talent, elle a beaucoup de talent. Et elle m'a fait un pull motif Tipeee. Et je lui ai demandé de me faire un col à boutons. Enfin, pour insérer des boutons. Sachant que moi, je vais me faire mes boutons avec des branchettes de bouleau. Je vais prendre une branchette, je vais la scier en tronçons très fins. Ça va faire des boutons. Je vais les percer et les fixer tout simplement. Alors ce pull, je vais pas l'enfiler tout de suite parce qu'il est super chaud. Il tient vraiment très chaud. Le t-shirt que je porte, il est en laine mérino. Donc le pull, je le mets de côté. Et ce sera pour la soirée. Quand l'humidité va remonter et que j'aurai besoin d'avoir un petit cocon douillet pour me maintenir au chaud. La lampe frontale est prête. Le réchaud est prêt. Mon nouveau réchaud à bois que j'apprécie beaucoup. Je vais terrasser. Je vais taper un petit peu là, le terrain pour l'aplatir. Parce que sinon le réchaud va être bancal, il va être en pente. Et c'est pas agréable de cuisiner quand la poêle à frire est en pente. Donc, terrassement. Ouais, là ça devrait être bien. Si ça bouge comme ça cette nuit, il y a de grandes chances pour que j'arrive pas à dormir avec le bruit. Le réchaud à bois en question, donc je l'ai eu cette semaine. Je m'en suis servi pour me faire une boisson chaude. Et maintenant, ça va être le test du repas. Donc c'est un réchaud à bois fabriqué en France par un passionné. Un passionné de marche et de bricolage. Et il fonctionne assez bien ce petit réchaud. Mine de rien, il fonctionne assez bien. Le parvent, c'est lui aussi qui le fabrique, qui le confectionne. Ah, il aurait fallu que je prenne des petits piquets en métal pour fixer le parvent. C'est pour ça qu'il a équipé son parvent de trous, pour pouvoir le fixer au niveau du sol. Et moi, comme un gland, eh ben j'ai pas pris. Oh, quoique, si je dois avoir mes gros piquets de secours. Ouais, enfin ils sont assez gros quand même. Mais Sylvain, c'est un mec qui pense à tout et il a fait des gros trous sur son parvent. Bien joué Sylvain. Allez, on va cuisiner maintenant. Je vais vous déplacer de ce côté. Comme ça, vous aurez non seulement une vue sur le réchaud, mais en plus sur le ciel, parce que là, le ciel est juste à tomber. Le coucher de soleil, là, il est magnifique. Je vais préparer mon petit bois et démarrer mon feu. Oh là là, l'odeur du bois gras, les amis.
Je crois que je suis drogué à ça. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ça y est, le réchaud est parti. Maintenant, j'ai plus qu'à approvisionner le petit bois à l'intérieur. Et pour ça, je vais utiliser les petits rondins que j'ai sciés tout à l'heure. Alors, je vais commencer par faire cuire mon riz. Ici, pour attiser mes braises, j'utilise un boufadou fait maison en bambou. Bien, pendant que le riz cuit, si on se décapsulait cette petite attractive. Mon cher Yves, si tu passes devant cette vidéo, sache que j'apprécie grandement tes bières. Ça, c'est le manche de ma poêle à frire. Je l'ai confectionné avec un petit couteau de sculpture. Et pendant la cuisson du riz, je vais préparer ma sauce au fromage à la crème. Ça va être bon ça. Regardez-moi ces beaux blancs de poulet. Alors pour préparer ma sauce, j'ai besoin de fromage. Ici un fromage à pâte dure de type Tom. Et de crème. Ouais, beaucoup trop de crème. Mais c'est tellement bon. Alors là, l'idée, c'est de faire chauffer ma crème, mettre des cubes de fromage à l'intérieur. Ensuite, je vais la saler. Et ensuite, je mettrai mes escalopes de poulet à cuire dans la sauce. Regardez-moi ce beau blanc de poulet. Ah ouais. Cette sauce fromagère à la crème, c'est quelque chose. Cette petite crème au fromage, les amis, l'odeur, oh là 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 là. Bon, ben, je crois que c'est prêt. Hein. Ouais, ouais, ça m'a l'air bon là. Bon,
Moi, je propose de passer à table sans plus tarder. Oh là là. Cette sauce, c'est une pure réussite. Peut-être un peu trop salée par contre. Je la referai avec moins de sel. Mais je la referai pour mes potes parce que c'est une vraie réussite cette sauce. Bref, en un mot, je me régale. On va pas continuer plus longtemps. Je vais finir mon repas, brosser les dents, aller au lit et nous, on se retrouve demain matin. Salut. Jour 2. Le repli. Au petit matin, le vent n'a pas faibli. Toute la nuit, il a soufflé et soufflé encore, inlassablement. Vers 4 heures du matin, alors que je dormais d'un sommeil paisible, le vent a déterré 4 points de fixation sur les 6 que j'avais installés, transformant ainsi mon tarp en drapeau. Autant vous dire que j'ai été réveillé sur le coup. Une fois tout réinstallé, je me suis recouché et rendormi tout aussi paisiblement. À 5h30, il est temps de me lever. Je ne manquerai le lever de soleil pour rien au monde. Côté est, la Grande Sûre, le rocher de l'Orzier, le soleil devrait sortir de là-haut. Côté ouest, les belles collines du Voironnais, la Vouise, la Bavonne, Monur, le Soulier, Saint-Aupre, autant de terrains de jeu où j'aime passer mon temps. Malgré un vent à décorner les bœufs, mes cales en bois ont bien tenu le coup. Même celle-là, étonnamment. Bon, je suis en pleine hésitation. Est-ce que je rallume mon réchaud à bois pour me faire mon petit déjeuner? Ou est-ce que je redescends dans la sapinière en contrebas pour chercher un peu d'abri contre le vent? Mouais. Je crois que je vais redescendre. Rallumer le réchaud dans ces conditions, non. Avant de repartir, je range mes affaires. Pour commencer, le matelas. Puis c'est au tour de mon sac de couchage. Ces différents éléments trouvent place autour de mon sac à dos. S'il pleut, j'enfile mon poncho et c'est réglé. Ensuite, pour ranger mon tarp en sécurité, j'insère mes doigts dans les sangles et je ferme la main pour empêcher le vent d'emporter mon tarp. J'ai pas envie de le retrouver à quelques kilomètres de là.
Pour finir, c'est au tour de ma corde faîtière d'être rangée. Pour la ranger et de pouvoir la déployer rapidement, je la love systématiquement. Ça prend un petit peu de temps, mais ça rend bien service. Mon tarp dans sa housse trouve place sous le capuchon du sac à dos, maintenu par des sangles que j'ai ajoutées. Un tour de vérification minutieux pour être sûr de laisser l'endroit dans l'état où je l'ai trouvé. Puis c'est l'heure de déménager et de partir vers d'autres horizons. Enfin, une forêt préservée du vent. Maintenant, quelques minutes de bruit de la forêt et des chants d'oiseaux. Je propose qu'on s'arrête là pour le petit déjeuner. Parce qu'on est bien protégé du vent ici. Ce sera idéal. Ah, là-haut, c'était juste pas possible. Là-haut, j'aurais eu non seulement du mal à démarrer le réchaud, mais en plus, il aurait pu présenter un danger d'incendie. Donc, on évite.
Alors ce bout de bois, il m'intéresse, sauf qu'il est à moitié humide et moisi. À l'aide de ma hachette, je vais retirer la partie moisie. Mon réchaud à bois, ici dans sa pochette de transport. Alors c'est un réchaud à bois pliable, donc il est compact, il est léger, il est très fonctionnel et il est fabriqué en France, entre la Vendée et la Loire-Atlantique, par Sylvain, un passionné de marche et de bricolage. Un détail qui a son importance, le prix du réchaud est très abordable. Comme d'habitude, vous trouverez un lien vers la description du matériel utilisé dans cette vidéo, dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors cette fois, je vais démarrer mon feu en utilisant de l'écorce de bouleau. Cette écorce, je la récupère quasiment toujours sur des bouleaux morts. Soit ils sont morts debout, soit ils sont couchés au sol. Et dans ce cas, ça constitue une formidable réserve d'écorce qui est prête à être utilisée pour démarrer mes feux. Dans quelques rares cas de figure, je récupère aussi de l'écorce sur de jeunes bouleaux. Et dans ce cas, l'écorce est en train de peler. C'est-à-dire qu'elle va, elle est sur le point de tomber de l'arbre. Donc soit je la récupère à même l'arbre en faisant attention de ne pas décoller l'écorce qui est encore attachée à l'arbre, soit je la ramasse directement au pied de l'arbre. Pour utiliser efficacement l'écorce de bouleau pour lancer mon feu, je dois gratter la surface de l'écorce de deux manières. Une manière pour obtenir une bouloche qui va être très inflammable, et ensuite je vais continuer à gratter pour décoller des petites fibres de bois. Le but, c'est d'aller presque jusqu'à traverser l'écorce. Une fois que j'ai fait ça, j'ai décollé des fibres qui vont être faciles à enflammer. L'écorce de bouleau va brûler suffisamment longtemps pour que je puisse poser par-dessus mon petit bois qui va lancer mon feu. À cette étape, je peux placer dans mon réchaud, sur le petit bois en train de brûler, qui dégage beaucoup de chaleur, je peux placer des petites bûchettes de bois que j'ai coupées au préalable, et là en l'occurrence j'utilise des bûchettes qui font de 3 cm de diamètre. L'ouverture du réchaud, la fenêtre d'approvisionnement, permet d'y glisser des morceaux de bois assez gros. Bien, mon feu est parti. Pour mon petit déjeuner, j'ai une grosse poignée de noix. La noix, c'est un fruit sec que j'apprécie beaucoup, et à côté de chez moi, j'ai des noyers. Hey, c'est plutôt sympa ça. Et à l'automne, je vais voir les exploitants et je leur achète leurs noix directement, sans passer par des intermédiaires. La noix, c'est un super fruit à coque. Le problème, c'est qu'on peut y être allergique. Donc renseignez-vous avant de manger des noix, on ne sait jamais. Après ce délicieux encas de noix, ben, je vais me faire un bon café. Ouais, même une deuxième cuillère, ouais, ça peut pas faire de mal. Voilà. Pour accompagner ce délicieux café,
pourquoi pas quelques tranches de jambon cru. Quand j'ai le débouché, je me fais des petites inhalations comme ça au Vicks Vaporub. Ça fait beaucoup de bien. Je le fais même le soir avant de m'endormir. Ça m'aide à bien respirer pendant la nuit parce que la fumée de feu de bois, moi, ça a tendance à me boucher le nez. Enfin, pas sur le moment. Sur le moment, ça fait couler le nez, mais après, il se bouche. Donc pour respirer la nuit, c'est pas top. Donc voilà, petite astuce, Vicks Vaporub, voilà, t'en mets juste à la base de la racine, de la narine, la base de la racine. Et puis si vraiment t'as un petit coup de froid ou que t'es enrhumé, tu te masses le thorax avec, en faisant attention de ne pas toucher les mamelons. Et ça marche bien, ça marche bien, ça marche très très bien. Voir que la souche a été creusée là, donc je verserai de l'eau dessus avant de partir, abondamment, peut-être même de l'urine, histoire de pas gaspiller mon eau, et comme ça je suis sûr que le feu ne tombe pas dans la racine, parce que s'il tombe dans la racine, dans les racines, il peut se transmettre aux autres racines. Ouais, il y a un peu de chaleur, donc il doit y avoir des braises, donc je vais gratter jusqu'à ce que je vois le bois non calciné. Je vais me trouver une plaque métallique pour remplacer ma toile de soudeur. J'utilise ça sous mon réchaud à bois Bushcraft Essentials. Et je vais trouver ça pour mon réchaud Ferzil, une petite plaque fine. On va aller chercher du bois, je vais vous emmener avec moi et je vais vous dire pourquoi j'ai besoin de bois. Cette semaine j'ai reçu mon pull en laine islandaise qui a été tricoté par Nadine de la Patte de l'Ours. Et comme elle fait du sur-mesure, je lui ai demandé un col à boutons, mais en lui disant que moi je vais faire les boutons. Donc j'ai des petites branchettes de bouleau avec l'écorce blanche dessus qui sont magnifiques. Je vais découper des fines sections à la scie. Petite scie d'ébéniste, un truc de précision, et puis je vais faire des boutons avec. C'est pour ça que sur mon col à boutons, il n'y a pas de boutons, et je vais faire les boutons. Par contre ici il n'y a pas de boulot, donc en attendant, pour m'occuper, je vais trouver quelque chose pour remplacer le boulot, et en arrivant chez moi je prendrai mes petites branchettes de boulot pour faire une autre version des boutons, puis comme ça me fera toujours un jeu de boutons d'avance au cas où. Donc là je vais vous emmener avec moi et puis on va aller chercher du bois. Qu'est-ce qu'on a là? On a deux arbres morts. Lui, il est un peu épais. Lui, le diamètre pourrait convenir. Bon, par contre, il est bien sec. Bon, il est pas moisi. Il est pas moisi, donc ça peut m'intéresser. Alors, le diamètre qui m'intéresse... Oh, il n'y a même pas besoin de scier. Tellement il est mort, il vient tout seul. Ah, le diamètre qui m'intéresse va se situer à peu près ici. Par là, et il m'en faut 4, donc je vais rapporter ça sur le camp et on va s'en occuper.
Bien, nous disions donc, la section qui m'intéresse, enfin le diamètre qui m'intéresse, non ça c'est un peu large, ouais par là, donc c'est ça qu'on veut utiliser. Alors en épaisseur, je pense partir sur 5 mm, 5 mm c'est assez épais pour pas se casser quand je vais y percer. Et assez fin pour pas déformer les trous là. Je pense que ça devrait le faire 5 mm. On va faire un test quand même. Pour vérifier si la section convient. Ouais, donc à peu près ça, 5 mm. Donc je fais attention pendant la coupe, je vais pas forcer sur la scie, parce que le but du jeu c'est pas de débiter un gros volume de bois rapidement, c'est de faire une coupe nette. C'est aussi pour ça que j'ai pris une scie de précision, en plus de ma scie pour débiter du gros. Ouais voilà, on est pas mal là, on est pas mal. Donc je vais vérifier que le diamètre est bon. Bah c'est pas mal, c'est pas mal, ça convient bien. Alors je reviens tout de suite, j'ai Google qui vient de me dire un truc. Ouais, comme d'hab avec Google, rien d'intéressant. Voilà, donc là on a un petit bouton pour mon pull. On va partir sur le deuxième. Et de deux. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais percer ça en m'appliquant. Donc, je vais faire juste deux trous. Je vais commencer à la vrille. Et si ça suffit pas, je continuerai à la tarière. Alors, voilà ma tarière. Et puis, comme il y a un tube pour insérer un bâton pour multiplier le couple, pour moins fatiguer pendant le perçage. Voilà, petite tarière assez fine. Donc le tube me permet de ranger ma vrille. Donc c'est une petite vrille de bricolage très, très basique, mais qui fait bien le boulot. Alors pour mes outils, je fais des étuis en bois, avec le bois que je trouve sur place. Et ça permet de protéger à la fois la pointe, mais aussi le tranchant, quand c'est une mèche pour percer. Là on a un tranchant qu'il faut absolument préserver, sans parler de la pointe. Donc c'est important de bien ranger ses outils. Et comme généralement, les tarières et les vrilles, quand tu les achètes, il n'y a pas d'étui. Bah du coup, c'est sympa de faire soi-même son étui bah, en forêt, hein, tant qu'à faire. Donc pour faire un étui de tarière, c'est assez simple. Je ferai une vidéo de démonstration si vous voulez, si vous êtes intéressé. Mais bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. La carte mémoire était pleine, l'appareil photo me l'a probablement dit, mais bon, j'étais pas côté écran, donc j'ai pas vu. J'ai commencé à percer un bouton, on va percer les suivants ensemble. Donc là, je commence à la vrille, et puis si le diamètre est trop petit pour le fil de laine, c'est assez épais hein, la laine à tricoter comme ça, si le fil est trop gros, je les repasserai à la tarière. Voilà, on a facilement 3 fois la taille de la vrille, alors je sais pas, ça, ce sera peut-être un peu gros. Peut-être simplement que j'utiliserai le poinçon de mon couteau suisse pour élargir ces trous. Parce que la tarière, ouais, j'ai peur que ce soit beaucoup trop gros.
C'est pas tant la taille du trou hein, qui m'inquiète. C'est le fait que si c'est trop gros, je risque de fendre le petit disque en bois au moment de percer. Alors je veux éviter de le fendre, tant qu'à faire. Mais ce que j'aime par-dessus tout avec ce pull, c'est qu'il a été tricoté à la main. C'est pas rien ça, c'est juste exceptionnel. Et puis en plus, bah, par quelqu'un, une artisane française qui est basée en Auvergne en plus, donc c'est bien, c'est pas loin de chez moi. Nettoyer un petit peu, parce que il y a un petit peu de sciure à l'intérieur et le fil n'arrive pas à passer. Et le vent toujours, hein. Le vent qui m'aura accompagné pendant ces 2 jours, sans jamais m'abandonner, merci. Ça fait plaisir de ne pas se sentir seul, mais question vent, je m'en serais quand même bien passé. Et de 2. Maintenant on va pouvoir passer au troisième bouton. Et le dernier, maintenant. Ben voilà, un jeu d'enfant. Exceptionnel, ce pull est exceptionnel. Voilà, une belle boutonnière faite en bois de quelque chose, en bois d'arbre. Je sais pas quel arbre j'ai utilisé. Bon, maintenant je vais retourner m'asseoir, bricoler un petit peu avec mes outils. Et puis aller chercher de l'eau parce que ben, j'ai plus d'eau. Donc je vais me trouver une flaque d'eau sur le chemin. Et puis j'ai mon filtre, ça me permettra au moins de remplir ma gourde. Parce que mine de rien, j'ai à peu près 2 heures de marche pour retourner à la voiture. Donc, faut s'y mettre. Ah, nous, c'est ici qu'on va se quitter. Moi, je vais faire une petite sieste, un petit roupillon avant de prendre le chemin du retour. J'ai à peu près, ouais, 1h30, 2 heures de marche pour retourner à la voiture. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ces quelques instants passés à mes côtés, comme d'habitude, vous auront apporté quelque chose.
En tout cas, c'est mon but. Si je peux partager avec vous des beaux paysages, de la bonne humeur, quelques astuces aussi de la vie sur le camp, bah, j'en serai honoré. Si je peux vous apporter quelque chose, j'en serai honoré. Maintenant, on va se quitter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en cliquant sur le petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans cette belle nature. Et à bientôt. Salut.